les chaises sont empilées, partout les rideaux sont tirés. Les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons, excepté la bêtise humaine. Voilà tous en quarantaine. Certains rallument la chaîne Hi-Fi, savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Prévert, les confinis se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains, comme le cargo du capitaine. Voilà tous en quarantaine. Les impatients trinquent à distance par vidéo interposée. Les solitaires matent à outrance n'importe quelle dope télévisée. Et s'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil pour nos grands-mères, c'est qu'au bord du gouffre peuvent naître les plus beaux élans solidaires. Moi qui viens de passer la trentaine, je fais un saut en quarantaine. Les marches s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait au moins ce virus pour qu'il se soucie des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate, et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sauvent nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne, on prendra fin la quarantaine. Il serait temps qu'on s'en souvienne, prendra fin la quarantaine.